Voilà, bille de belette, bon effet sur cible, bon effet sur cible. Trois véhicules militaires ennemis détruits. Plusieurs cibles restent disponibles dans la zone à votre disposition. Voilà, bille, bon, me larguer sur le camion. Bonne soirée à tous. Salut. Bonne soirée. Salut. Salut. Bonne soirée. Ouais, moi, je pense que je vais y aller aussi parce que j'ai jeté ma bécane par la fenêtre. Belette de Krista, tu peux lancer le convoi. Hein. Tu as un convoi armé de l'OSE au nord-ouest de la position. Tu peux lui dire d'avancer gentiment si tu penses que c'est clean pour eux. Pour Wallaby, frappe non autorisée autour de la tour de contrôle, présence de véhicules civils, dont véhicules d'intervention d'urgence. Recommandons une nouvelle frappe autour du hangar principal, présence de véhicules militaires confirmés. Assassin! Il est où alors? Il est sur la piste donc? Alors... Regarde ça. Ah oui, carrément. J'ai gagné un peu d'altitude quand même par sécurité, j'ai regardé. Sur quel aéroport ça? C'est de l'autre côté en fait du petit bras de mer. Ah, on va le petit là. Ok, bah j'arrive. Ça met Maverick qui va pas chauffer. D'ailleurs, il y a vraiment un risque à les laisser chauffer trop longtemps. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'ils disent toujours de pas laisser plus de 30 minutes, mais j'ai jamais eu le moindre problème. Belette pour Wallaby et Meerkat. Nous déclarons la ville de Novoro safe pour le moment. Nos troupes sont en train d'entrer en ville. Vous recommandons l'approche de Galenzik afin d'apporter un support supérieur à Héron. Bien reçu de Meerkat. Seul problème, Galenzik, encore une présence de Sam assez violente. Ah bon ? Au moins un et sans doute SL8. Le SL8 n'apparaît plus au RWR, je suis passé dessus il n'y a pas longtemps, je pense qu'il est à court de munitions. Il a dû tous les épuiser sur moi tout à l'heure. Ok, reçu. C'est Belette, Jitak, encore au moins 5 bonnes minutes d'arrivée. Les troupes pédalent afin d'accélérer le MV. Ah, c'est Jitak qui s'est allumé. Ils sont encore en stand-by, putain. Ils sont buggés là. Ouais.
Moi, j'y suis allé. De l'aide pour tous, le JTAC a été désactivé autour de Novoro. Les troupes au sol prennent le commandement des opérations. Toutes les opérations sont désormais redirigées vers Gelenzik. Standby pour plus d'informations. Christa. Des hélicos, je pense avoir repéré le même groupe. Ils sont en retrait par rapport à Gelenzik, à côté d'une zone boisée. Tu confirmes ? Négatif. Moi, j'ai des unités ennemies, mais de l'autre côté de la baie, en fait, côté est de la baie. Ouais, donc méfiez-vous, est de la baie, il y a aussi des trucs au sol. Ok, moi j'ai une shilka. Ouais, je les ai laissés plus que 3 minutes, je pense. Mais bon, tente quand même, on sait jamais. Mais... ça sur la stab, ça me le fait souvent. De Bullet pour Flappy demande au remplacement des MV par des Twingo, ça sera plus efficace. Over. Pas compris. Ah, j'ai une Chilka en effet, juste à côté des pistes. Pour Flappy, est-ce que tu peux répéter le message s'il te plaît? Demande au remplacement des MV par des Twingo. Ça marche. Bon, Flappy à nouveau abattu, pas de bol, il y avait d'autres méchants sur mon chemin avant ceux que j'ai vus. Donc on n'est pas près d'arriver pour les camos, vous pouvez y aller sur Gelenzik pour Wallaby et j'ai oublié, et non pas Meerkat, Hamster, merci. Je crois que je vois le SA-8. Ouais, il y a le lanceur et il y a un lanceur et un radar. Là, je les ai à côté d'une sorte de cylindre là, d'un silo. Ouais, c'est ça. Là, je les ai juste à côté. Ils m'ont pas tiré dessus. Ils apparaissent pas. Je pense vraiment qu'ils sont off là. Oui, quelque chose. Ouais, la Chilka, je l'ai, elle est juste à côté. Elle est fallait un tout petit peu plus loin, à côté d'une sorte de Jeep, là. Je pense elle fait partie de... ah bah non, c'est un truc avec un radar, mais ça doit être du décor de l'aéroport. Ok, bah écoute. Ouais, c'est ça. Ok, bah on a les trois mêmes. Donc du coup, c'est situé où par rapport au radar? Alors, il y a un... tu vois la piste? Longe la piste, tu vas voir, ils sont tous les trois. Alors, t'en as deux qui sont à côté d'une sorte de petit bâtiment avec un cylindre, avec une sorte de silo. Et l'autre, il est donc la Chilka, elle est juste à côté d'un. Elle est près du bout de la piste qui finit avec le taxiway qui tourne. Et elle est à côté d'un petit, une sorte de petit camion avec un petit radar qui tourne un petit peu de 30 degrés rapidement. Ok. Putain, mais j'ai vu, elles font n'importe quoi. Bref. T'as réussi à les faire chauffer? Et on se prend la Chilka du coup? Ouais, vas-y. Ouais. Allez, c'est parti.
En mode Flappy à tous, je suis monté dans une Twingo moi aussi. Il veut pas l'accrocher? De belette pour Wallaby Hamster, nous vous confirmons un tir sur une OSA. Nous allons tenter de vous désigner une Strela sur la même position. Essayez de voir si vous avez autre chose. C'est un solide copie, nous allons prendre un café en attendant la fin des opérations. Rifle sur la Chica. Sur le Chica, c'est là. En espérant que ça n'ait pas accroché l'arbre, parce que j'ai un gros doute. Parce qu'en fait, elle a bougé, elle est toute cette électronique sous un arbre. Au moment où t'as fait. Enfin, je crois que c'est au moment où t'as attaqué, ouais. Je crois que j'ai mis un AGM là. Alors, est-ce que c'est parti? Je te paie à côté, putain. Il y a un moment, truc qui a tapé dans les yeux. Il y a mon AGM qui va arriver dessus, normalement. Ici Belette pour Hamster et Wallaby, aucune cible autre qu'une installation qui nous semble purement militaire à proximité du radar de navigation de l'aérodrome. Nous désignons la cible au laser et à l'infrarouge, recommandons passe avec GBU ou équivalent. Bon, bah mon Maverick avait accroché le décor d'aéroport à côté. Pour plus d'informations, la cible se trouve sur la partie centrale de l'aérodrome. J'ai quand même tenté de la voir. Allez, j'essaie de me la faire au cas. Ouais. Ah, oulala. Oh, j'ai plus un arrière-presse, oh, les gars. Oh, je déconne, on n'a pas suicidé. Je vais intégrer une alternative au Maverick, voir ce que ça donne. Là, normalement, avec cet angle-là, il devrait réussir à l'accrocher quand même. Thank you.
Pour tous de blettes, les troupes au sol à Novo rencontrent une forte résistance. Plusieurs unités en embuscade. Nous ne pouvons pas désigner plus de cibles pour le moment. Concernant les unités au niveau de Galenzik, nous avons toujours la cible de type radar transmission de l'aérodrome en désignation laser plus infrarouge disponible pour Wallaby ou Hamster. J'ai plus. Des coins d'aéroport. Ah, d'accord. J'ai plus rien à leur envoyer. Standby okay, pour plus de cibles. Bien complètement vu. À court de ressources là. Ouais, pareil. Mais j'ai l'impression que c'est pire qu'avant les Mavericks. Ils ont tendance à encore plus accrocher le grillage et. Le Flappy en balade en Twingo, j'ai passé la baie de Novorossiysk, je me dirige vers Galenzik, à fond la caisse. Chauffard. T'as volé ma Twingo, hein, je te dis ça, mais. Oh, Maverick ready. Ouais. Ici, Belette, nous n'avons visuel sur aucune autre cible pour le moment au niveau de Galenzik. Vous êtes laissé à vous-même. Pour les Wallaby, check waypoint 8 et 9. On a des outposts à détruire à l'entrée de la ville qu'on défendait, donc qu'on a attaqué tout à l'heure. Hein, moi je vois plein de. J'ai tout un convoi sur une route. C'est à nous? Un convoi qui se dirige vers la ville. Deux Mirkat demande information sur la suite des événements. On reste en couverture. De Flappy pour Mirkat, la Wax vous a rien signalé ces derniers temps? Non, le ciel est dégagé depuis un bon moment. Ok, vous pouvez aller vous poser si vous voulez, ou participer à l'attaque au canon si ça vous fait marrer. Deux Mirkat vont aller filer un coup de main au Addis et au arrière. Copie. D'ailleurs, le SA-8, on l'avait détruit finalement. Ils vont faire les hommes, ils vont faire ça à la 12-7. Bon, allez, moi j'ai pas tardé à y aller, 23h. De Mirkat 2, est-ce qu'on a déjà quelques informations sur les cibles à traiter sur Galenzik? De Belette pour Mirkat, cible principale de Galenzik, approche. Standby. Approche ouest. Plusieurs hangars avec véhicules uniquement militaires. Si vous voulez des coordonnées GPS ou UTM, merci de me le faire savoir. Merci, mais on fait ça avec les yeux. Roger, donc côté sud-ouest, ouest de la piste, véhicule uniquement militaire, vous pouvez pas vous tromper. C'est quoi Nico et Maverick qui ont fait 2042 tir sol-air sur un appareil à nous. Affirmatif, ici Belette, affirmatif, aucune position départ, pour l'unité entière ennemie. Départ de tir sur le versant nord de la piste. Environ un huitième de la piste. Partie nord, pas côté taxi, ouais, l'autre côté. Déjà sur la zone, je joue en PowerPoint.
copie de Flappy, je vais essayer de me positionner sur la colline qui domine la base, mais j'y serai pas avant 5 minutes. User disconnected from your channel. Bon, moi je vais y aller, je pense. En plus, je suis à court de munitions, il a le temps de recharger et de repartir, ça va être un petit peu long. Ouais, affirme. Pareil hein, pour le JTAC, là la Jeep elle avance à 15 km/h, donc pour se placer c'est. Gumir 4 leader, sur la carte j'ai passé une étiquette avec le positionnement, le positionnement de la cible à A. Tire de Maverick, je sais pas si je suis sur le bon. Alors, j'ai l'impression que la position A est en train de fumer, confirmation. De Hamster 2, moi j'ai envoyé à Maverick, c'est peut-être, il a peut-être fait mouche, ouais, c'est ce que je pensais. Ok, bon, Mirka 2, voilà. Je m'aligne pour une. Enfin, je vais m'aligner dans une minute pour une passe depuis l'est sur les hangars. Départ Maverick. Affirme, depuis l'est, première position de véhicules négatifs, principalement des véhicules civils. Deuxième position et autre positif. Je crois que le Maverick vient de défoncer une maison. Abelette de 2, peux-tu indiquer quel parking, si c'est le parking nord ou le parking sud qui abrite les véhicules militaires? Le parking sud. Le parking nord est quasi exclusivement composé de véhicules civils et la tour de contrôle est à 50% composée de véhicules civils. Bien pris. Bon allez, moi j'y vais. Salut. 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 Salut les gars. User disconnected from your channel. À ta hauteur, plus au sud. Roger, visuel. Tu verras, c'est difficile de laser quoi que ce soit. Les armes, ils sont très hauts par rapport à l'aérodrome. Pierre 4-2 pour une passe depuis l'ouest sur le parking sud. Belette Roger, on attend des faits sur 6.
Dégagement de fumée sur l'aérodrome, possible une perte chez l'ennemi. De Warpix, je vais refaire une passe depuis le sud pour aligner les véhicules. Dumpster de Tirmerie. Bon bah, voyez le canon maintenant. Va vraiment falloir qu'il fasse du boulot sur les modèles de dégâts. Erstean, AFK, quelques minutes. Ouais, 2004. Merci de me le rappeler, t'as bien raison. Mir 4-2 pour une passe depuis le sud sur le parking sud de Galenzik. De Hamster 2, je viens de passer, il doit te rester un camion normalement encore. Bien pris. De Flappy pour tous, est-ce que vous avez déjà attaqué les cibles qu'on a marquées côté Kamov à l'est de Galenzik? Copie. Eh ben, je me dirige là-bas avec ma Twingo. Et ah non, j'ai peut-être pété le moteur. Là. Le truc c'est que moi j'ai plus rien pour aller là-bas. Je suis que au canon maintenant. Alors les gars, je reviens vers le Tarawa et on verra ce qui se passe. Landing gear. Landing gear. Moi, je suis en train de rentrer. J'ai même plus une seule. Et le canon était vide quand j'ai pris l'avion, j'ai pas fait gaffe. Ah merde. Flappy moteur réparé, c'est génial les Twingo, je repars. De Vosges. Mir 4-2, passe effectuée, pas vu le résultat, en revanche présence probable d'une Shilka active. Ouais, Flappy, à l'endroit marqué, je vois des fumées, hein, donc je sais pas, mais l'objectif a peut-être été traité. Et de Mir 4-2 RTB.
Mir 4-4, j'arrive sur site avec des bombes lisses. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a à traiter en prio? Je crois qu'on est tous en recherche de cible actuellement. Confirmé, les Addis, c'est AV8. Et AV8, on est en route pour le Tarawa pour ravitaillement. Copie. Flappy en Twingo, j'arrive sur la base de Gelenzik et je vais éclairer ce que je vois. Okay. Flappy tire sur moi, Gelenzik. Je me suis planqué dans des maisons à côté de la base. Tir léger. Caution, caution, caution. Flappy BTR localisé sur la base de Gelenzik. Ma Twingo est en feu. Il est stationné pas loin d'un MI-8. Je suis en train d'essayer d'aller me poser et ça va pas être une mince affaire. Flappy, je suis mort. Erastean, aka Belette, de retour. Il est chaud, je sais pas. Je suis sur le deuxième, le plus près de... Mais à mon avis... Flappy pour tous, tout le monde est en train de rentrer, sauf Kangoo, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Ok. De Belette, les troupes sont encore en train d'avancer sur Novoro. Apparemment, aucune résistance, donc ils devraient... Waouh, 2004 de l'envoi. Crash Modar Centre, je vais bientôt être sur les vapeurs, donc si je peux avoir la prio pour me poser, ce serait gentil. Pour Crash Modar Centre, on a deux Addis qui sont en approche finale, ils seront off-piste d'ici une minute ou deux, grand maximum.